Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Il n'est pas question ici de dialogue politique avec ce groupe. Je le dis et je tiens à le préciser, il n'en sera jamais question. Vous allez bienvenue dans GKM Télévision, fidèles abonnés, chers internautes. Bon week-end partout où vous trouvez à travers la République démocratique du Congo, partout où vous trouvez à travers le monde. Samba Olonga, Azana Bino Lissousou, na plateau yaba éclairé. Pour na ko partager na Bino Basango, ya République démocratique du Congo, pays en Dinga Dinga. Matondi na bandeko nyonso oyo baza kolanda biso depuis le Grand Équateur, bandeko ya Bwende. Bandeko ya Bokungui kela, bandeko ya Mbandaka, bandeko nyonso bazana Gwado kuna, boye baete émission eza dédié na bino. Merci na bino pour na fidélité na émission Debout Congolais. Yambo émission ebanda, toi baga malamu ete Samba Olonga azaka na devoir ya ko rappeler na biso ete justice yon zambe iratakate, justice yon zambe. Moto mokote a échappaka na contrôle nango. So ki ou ko échappé na contrôle na biso bato, yeba ete na maboko nzambe, yo ko échappé ata mokolo mokote. Mabe yo za ko sala, o sala ngo na nkuku, o sala yango na mpoasa, yeba ete litomba tope li futi na yango ezali. Komona biso ba yo mate, so ki ozo mimona yanke, o mimoni tout puissant, yeba ete likolo na yope moto azalaka. Un jour ou un autre, même dans l'au-delà, tu finiras par payer le prix de tes actes. Salakaka, malamu, po, tango, ezalite. Peut-être, okoya ko regretter, mais kozala, trop tard. Actualité à Mokolo Lelo, ezali dominé na réunion munene, ezali ko salema, na Bujumbura, na Burundi, concernant évaluation, y'a corps cadre, y'a dis Abeba. Na réunion ango to biete tata mokonzi ekolo Félix Tshisekedi a prendre part pona ko kende ko échanger sur ba progrès ba réalisation ya accord cadre d'Addis Abeba signé na 2013 toza ko signaler pe que na makambo yango na masolo yango secrétaire général ya Nations Unies a salaki déplacement na ye pona ko kende kuna ko évaluer makambo na pe ko lobela maye Etali ba conclusion ya Nairobi pe à Luanda concernant pe na sécurité na est ya République démocratique du Congo. Na occasion wana esengeli to rappeler que était président de la République Félix Tshisekedi a dénoncé pour une fois de plus violation et accord cadre d'Addis Abeba par certains signataires dont les Rwanda en soutenant les groupes armés notamment les M23, déstabilisant ainsi la région orientale de la République démocratique du Congo. Le président choisit vraiment cette tribune pour dénoncer Moussala Mabe Oyo, Rwanda Azali Kosala, en violation de cet accord qui a été signé par plusieurs pays pour Koluka Kimia na Est la République démocratique du Congo. Wana Isa Sangwaliboso Tokolobela. Tu es le président burundais Pierre Lobaki, si j'ai ça continuer na kosalema. Actualité il y a mibale tokolobela na émission na biso ya mokolo lelo ezali rencontre ya mibale entre ba leader ya opposition oyo bazali réuni autour ya Moïse Katumbi. Moïse Katumbi aza déjà na Kinshasa, ye Martin Fayulu na Matata Ponyo bakutani bongo na hotel esika wapi Moïse Katumbi akitelaki pona ko échanger na makambo yo etali marche na bango bazali kokana ko organiser mukolo ya le 14 ya mai oyoyo pona ko dénoncer ba point oyo énuméré bino bosi boyebi yango wana batu bazali ko mituna ba observation ezali qui est le leader, est-ce que marche wana ezali utile concernant peuple congolais, bazali vraiment obligé ya ko sala marche alors que les élections
Ne yango mutezali débat principal au batignon sur bazali kobanza na minute. Nous serons au cœur de cette coalition de forces pour totuna. Mabongisa mina bango ezali ndenge nini? Ah ba yena Kinshasa nini penatu kuyi kozela. Pona bosuki si tozoke ndebongo na Kasai. Na Kasai epai wapi IGF asali communiquer na ye bokolanda ngona kati émission oyo 370 millions des francs congolais dépensés frauduleusement par les gouverneurs ya province gouvernement gouvernement ya province ya Kasai oriental et pas wapi batu bazako lilalela mingi mbongo oyo et utaka na gouvernement central pour na rétrocession ba trouver na IGF que ba compte moko mi balé za créé oyo ya mbongo wana ba kon bongo eza ko uta na gouvernement central mais ba créer ba compte mi balé pona ko tchaka mbongo wana devia ainsi ba disposition oyo eza mi pona ko sala ka contrôle ya chaîne ya ba dépenses ndenge ba province ezwa ka mbongo oyo gouvernement central etinda ka bango pona IGF ezali déjà tentative ya moyibi ba enquête ezali en cours pona ko déterminer ndenge nini mbongo yango ezalaki utilisé parce que ba indice ya culpabilité ezali déjà. Voilà tout pour l'essentiel des informations que nous allons aborder avec vous dans le cadre de cette émission Debout Congolais. Merci Nayo Mutoza pour rejoindre Bisso Lissou pour na mbala ya liboso oyo ezali plateau des éclairés animé par mwana mboka Samba Olunga na lingaka kombo wana mingi. Na kombo na nga penda eza na se ya itando na yo soko zo luka kombo ya malamu eza na se ya itando na yo mais Samba Olunga j'aime bien wana nde mutu simbi ngai na plateau oyo pwete biso nyonso tokoleka na esambiselo wana oye il faut s'abonner cliquer sur la cloche de notification donner la force à cette chaîne laissez nous un commentaire tikela biso soutien na yo na FARDC depuis ville nini ozali kolanda chaîne OGCAM Télévision P Ozali FARDC na motema accord cadre ya Addis Abeba et sali bongo 10 ans uta yango ebandaki eza signé Félix Tshisekedi n'était pas président de la République en 2013 na mois ya mars accord cadre d'Addis Abeba ezalaki signé pour la paix stabilité na est topé na République démocratique du Congo. Cet accord là stipulait que ceux qui ba groupes armés ba yokité pour na ko se redire, il faut qu'ils soient créés au sein de la mission des Nations Unies au Congo une brigade spéciale d'intervention ou bien brigade d'intervention chargée d'intervenir en cas où les rebelles bazako continuer ko sévir ko attaquer la population civile brigade wana il faut banda ko attaquer l'observation que nous faisons il y a Nations Unies observation na biso moko na ba congolais il y a 10 ans depuis accord Ezali signé Ezali 10 ans moko de gâchis 10 ans moko de peine. L'accord cadre d'Addis Abeba s'ajoute à plusieurs résolutions des Nations Unies, plusieurs assises qui sont restées sans effet à cause ya kobandela lisusu ya kosala mabe na ba mouvement rebelle. Awa tumonaki secrétaire général des Nations Unies akitaki ayaki na cadre ya évaluation ya accord wana. Le président de la République Félix Tshisekedi malgré ba occupation na ye ba congolais bokomela kinge bele bolobi président akende na ye lisusu kuna te parce que bisika ya zoko kende makambo koloba makuna déjà se yebani ce n'est plus important que président soit ba risque ya kokende na Burundi kuna ao kende koluka nini po kuna solution nini ko bima kuna les congolais sont très déçus de la façon ou la manière de faire des Nations Unies en République démocratique du Congo. Yango image ya Antonio Guterres ezali nango kopé sa crédité na basise wana y compris certains pays voisins au bakozala wana. Mais diplomatie sali makandenge wana te tata mukonze ekolo asali quand même effort
pour être là. Parce que tu as dit que la vie était, biso muntu tozali agressé, biso muntu tozali ko subir humiliation historique. Nous devons toujours continuer à participer dans des assises comme ça pour na ko dénoncer ça. Kagame qui est concerné par rapport à l'agression, parce que accord royo les 11 pays signataires bazwa qui engagement que pays mon côté a kouyi ko simisquer na affaire interne ya baninga. Pays mon côté qui ont servir de base arrière na rébellion moko songolo pakala ezali ko déstabiliser pays voisins. Mais kota la bila tomoni que accord wana ezali ki violé pendant plusieurs fois na Rwanda na Uganda pour ne citer que ces deux pays là. Ce qu'on note ezali que Nations Unies atikali ko sanctionné te bato yo ba violer accord oyo ezala ki pe ko signer na Nations Unies yemoko ya ba représentant na bango na ba partenaire mususu notamment Union européenne na Union africaine ba sanction moko te tikali ko zwama contre Kagame principalement oyo azali muto ali boso azali ko violer mingi accord wa. Lelo bakeyi bake ko se réunir pendant qu'il y a encore d'autres recommandations, d'autres assises. Makanisi mususu e salami lisusu na Luanda na Nairobi pour être ba mouvement rebelle batika ko evre. Le pire c'est que na accord cadre na ya Nairobi nyonso ezali ko salema ezali violé toujours par la même personne Kagame. Awa toza ko lobawa Kagame ye basi zwana etali nango yete. Lokola yebi ke place o Tshisekedi azalaka ye akomi embarrassé. Il a bien choisi akende na ye esika wapi bazali ko couronner roi ya Angleterre. Wazali complice na ye na ba massacre ezali ko salima na est ya Congo parmi d'autres complices. On sous-entend que azali ko se pencher na bato bazali ko entêter ye. Na ba manœuvre ezali ko sala ete a dévier processus ya paix oyo ezali en place ko ete kimezonga na est ya République démocratique du Congo. Sikoyo ba sizi ya boye ezali ko sala man évaluation Kagame ya zana ete. Il se fait représenter. Le président de la République comme na mumesano atalisi ke Rwanda ne mutu azali ko violer accord cadre d'Addis Abeba na ko soutenir ba groupes armés notamment ba M23. En tout cas pour la plupart des Congolais plus tozali ko lobango plus ezo koma lokola ave de faiblesse. Ba Congolais bele baza ko penser lokola muzitu que franchement on ne peut pas éternellement continuer à dire que les Rwandais nous agressent en ne faisant rien. Mais le président de la République l'a dit très haut. Pour continuer à insister, les Nations Unies ont dit que ceux qui ont été sanctionnés, parce que l'accord est en train de faire signer Bissot. Et ça est belé dans l'histoire. Pour que l'accord de Lusaka, tout le monde a un accord global et inclusif, il y a des certains criminels qui en brousse, comme les politiciens, les Congolais quand même se familiarisent avec eux, ils ont voté. Si tu as encore cadre d'Addis Abeba, batu oyo bazali ko evre pour na bien-être te ya ba Congolais, batu balinga ko déstabiliser mboka na biso. Spécialité na bango ezaka ko dévier ba accord. Donc le déplacement du président Félix Tshisekedi ezali utile. Utilité nango ezali que il faut aller insister. Ezana batu oyo bakufa ka nokite hein. Les adversaires ont pu achever, il faut au répéter beaucoup, beaucoup wana, au répéter en mode deux fois pour au finir par quoi achever. On sent que tu commis la phase où zone à turbulence, les amas entre résistance, il y a Paul Kagame pour n'accomplir na ben instruction internationale et pays amélié qu'il doit retirer ses troupes, na rébellion aye où il y a ça pour soutenir.
La solution est entre les mains de la communauté internationale, mais les blocages persistent parce que certains acteurs de la communauté internationale au bazo kotapé na katia situation oyo balingi ke Kagame a continué ko sala ba manœuvre na ye. Donc le voyage d'Antonio Guterres ndenge moko aza ko loba ba ye ko évoluer ba progrès salami. Je vous laisse d'abord le suivre bolanda ye moko ndenge aza ko loba Antonio Guterres ba progrès salami. Suivez-le puis on revient. Antonio Guterres, vous êtes en mission à Bujumbura, 10 ans après. Quel bilan les Nations Unies dressent-elles de la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région des Grands Lacs? Je crois qu'on a fait des progrès, c'est vrai, mais je crois qu'il faut reconnaître qu'il y a énormément à faire. Et surtout notre engagement avec le peuple congolais. Le peuple congolais a beaucoup souffert à cause des différents groupes armés, des terroristes de l'ADF, maintenant de l'M23 et des exactions commises par l'M23. Alors, il faut mobiliser toute la communauté internationale et le groupe des pays des Grands Lacs a un rôle essentiel, la communauté de l'Afrique orientale a un rôle essentiel, l'Angola joue un rôle essentiel. Il faut que les Nations Unies appuient à fond les initiatives africaines pour aider à la solution des problèmes qui continuent à créer des difficultés énormes pour les Congolais de l'Est du pays. Voilà, pour lui il pense qu'il y a eu des progrès. Bah, progrès, salami. Pour nous, Congolais, on se demande quels sont ces progrès. Parce que bah, mon groupe, bah, mouvement rebelle, bah, ça continue qu'on soit soutien. Il y a bah, pays étrangers. Bah, progrès, oui, salami, ils ont dit que le peuple congolais s'est énervé pour un côté de la MONUSCO qui a ça pour ça les côté bah, bon, peuple congolais. Voilà les progrès que nous retenons des Nations Unies dans la République démocratique du Congo. L'accord cadre d'Addis Abeba violé plusieurs fois les progrès dont il parle. Ils ont dit que le progrès moko kaka ndenge yaza ko formulé ngo na rhétorique na yepona ko soignaka tout le temps image ya Nations Unies. Donc étant secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres azalo ko la paix à Jean-Marc Ayrton abanda ko lubane ka pona ko soigner na lubaka on émission les kaki ke oyo bazana bango ba fonctionnaire. Il sait qu'il c'est la coule douce. Après son mandat, il va vivre tranquillement en paix avec tout l'argent qu'il a empoché. Tout le monde a dit qu'il a justifié le fonctionnement des Nations Unies dans le bon moment où il a été. La victime a continué à causer la bise. Que monsieur le président de la République, vous devez tirer toutes les conséquences. Si il a continué à éterniser la bise pour sanctionner Rwanda, le Congo doit agir autrement. C'est vrai que Bazali ko piéger biso poto s'énerver, mais enfin, nous n'allons pas être des éternels pleurnichaires. Biso to continuer ka kolela, toza koze la bango, bango pe bazako continuer ko sala biso ba aventure. À un certain niveau, il faut que ça cesse. On sait qu'il y a de la préparation, mais il faut aussi préparer une réponse Oyo et Koki pour marquer l'histoire. Parce que Kagame, lui, se prépare à envahir le Congo avec d'autres problèmes. A longue d'un problème, Oyo Azali est accusé, Oyo Mukino Mbabazako Sengaye qui a agi, il entre dans un autre problème qui est celui des réfugiés. Il sait que ça va prendre du temps pour que l'arbitre Azala, Abandako, Kabola biso lisusu ba discussion à Rwanda bozo discuter autour à nini ya ba réfugiés. Tout ça ce sont des stratégies que l'ennemi met en place pour gagner du temps. Au niveau du Congo, c'est nous qui sommes agressés, c'est nous qui perdons du temps. Nous devons aussi changer de stratégie par rapport à l'adversaire Oyo. Azoyo kanayete langage nyonso bazoyé bisaye bango basi ba fabriquer. Mais pour baye ba ke tosu tosu ki mutema, il faut que notre stratégie paye. C'est sur ça que nous attendons Bemba. Nous avons causé la Bemba. Dans le stade où on sait que sa nomination pourrait apporter de l'énergie aux attentes des Congolais par rapport à la situation qui prévoit à l'est du Congo. Ça fait très mal. Dans le moment où on va discuter, qu'on découvre des fosses communes. Hein?
des centaines de morts, baza ko découvrir bango après départ ya ba M23. On découvre donc biso tozo lelawa ba catastrophe naturelle pe ezako frapper biso lisusu. Na ebite nzambe soka zo lingela biso nini akoko yokela biso mawateke a épargner ka biso même na ba makamusu ezalo kola ba catastrophe. Encore des morts, plus de 100 morts. Nakale kuna mbule beti bato bakufi lisusu. Donc est ya Congo bato bazokufa na maladie na ba catastrophe naturelle ya liwaku to ya ba assassinat na ba massacre ya ba mouvement rebelle, on en parle plus, ça ne fait plus l'actualité. Le Congo doit changer de stratégie, monsieur le président. Le Congo doit changer de stratégie. C'est vrai, nous avons changé de rhétorique pour nakoyeb sabango ba vérité, mais il faut vraiment maintenant aller au-delà de ce qui attendent que nous pouvons faire. Pour que la situation oyo ekoma na suka nango. Nous savons que ces réunions pour nabango ezali kaka kolakisa ke bazali préoccupé par ce qui se passe au Congo. Mais les moyens qu'ils engagent de l'autre côté du monde pour mettre fin à la crise totali par rapport à ndenge biso bazako observer biso et loko biso tozozo ezaka ba bonne parole. Nous devons changer de comportement. Pour le président burundais, je préfère d'abord vous laisser entendre de vive voix Makambo président Yemoko Alubagi tout au cours il y a Makambo réunion évaluation et accord cadre d'Addis Abeba en condamnant le Rwanda et puis nous revenons. Monsieur, il y a de cela une décennie, la signature de cet accord cadre à Addis Abeba augurait de lendemains meilleurs et radieux pour les peuples de notre région. Nos États souscrivaient et décidaient de faire du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays voisins, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des uns et des autres, de l'interdiction de fournir une assistance aux groupes armés ni à des personnes impliquées dans des crimes de guerre et contre l'humanité ou des crimes d'agression, et de la facilitation de l'administration de la justice grâce à l'entraide et à la coopération judiciaire dans la région, la pierre angulaire de notre action collective, nous autres États géographiquement localisés dans cette région des Grands Lacs africains. À la lueur des objectifs consacrés par cet accord historique, d'aucuns auraient préféré que soit célébré ce jour avec faste les acquis de notre engagement collectif pour une région des Grands Lacs complètement pacifiée. Hélas, c'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons, 10 années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire, j'ai cité la République du Rwanda, qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait, et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Et ceci en totale violation de l'engagement régional numéro 3 de l'accord cadre dont il est signataire, de même que les chartes des Nations Unies et de l'Union africaine dont il est partie prenante, le tout sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Ah, ça, c'était les propos du président de la République, Nakansi Bolandie Malamu. Le pourquoi de son déplacement, Azoa qu'on continue qu'au final, même si Kagame n'est pas en face pour écouter ça, parce que Biloko Boye, Azoa passe pour Kagame yo Kagame le Kanamato inaye. Mieux vaut et ça les Maya Azoa musika. Akutani na occasion ils ont permettre yé qui a échappé, na masolo ana. Ya ça sali songi songi na ya leki na Tanzanie, Azoa Azoa président na yé biseka seka oyo ya Kenya. Asa sali na ye, oh ya kuki ko sala ba manigans na ye. Il sait qu'il peut aller se reposer. Et après cette réunion, Kagame va revenir encore pour créer encore des désordres. Pour na ye zotala na ngoyete. Nous, ce qu'on attend, nous Congolais, de telles réunions, c'est des sanctions. Tête ou évaluer accord cadre d'Addis Abeba. Voilà ce que nous disons. Pour le président burundais, les résolutions de la crise en RDC
Il appelle à la sagesse africaine pour trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Il espère que la RDC va retrouver la paix et la sécurité qu'aux ala ndenge ba correspondre na ba besoin yons ba discours aussi tolembi président Burundi ye wana paye pe a force ya kokota ka mingi makambo ya Congo a komi visé ba komi ko menacer les Rwanda maintenant est dans la politique de vouloir déstabiliser le Burundi parce qu'à sentir que mutoyo azosa l'effort pour me ka comprendre ce que dit le mieux c'est le président Burundi son contingent est parmi c'est les contingents les exemplaires aux tous dans le cadre de la force régionale au moins bango intervention na bango est clair sans ambiguïté le reste des contingents bazal quoi ba touristes plus de discours moins des actions yango bazuye logo la cible logo la yazo kangama na Tshisekedi il faut trouver moyen à pour déstabiliser chez lui ba rebellion za ko kana ko salema bazali ko kanga ba généraux oyoyo bazali ko comploter na ba colonel ko comploter pour na ko sala coup d'état ça dit le changement que nous voulons au Congo il y a des têtes à couper dans la région des grands lacs ce n'est pas seulement les Rwanda mais ba président ebélé il y a région à grands lacs il faut bâtir ka bamboka na bango po Congo pezo akimia nous devons comprendre les choses dans ce sens là pendant ce temps à Kinshasa opposition politique bazali ko pongisa marche na bango pona biso nous retenons que Moïse Katumbi azalaki déjà na mo ya Ibrahim mo Ibrahim les financiers de la muka ya kala na ebite eloko eza créé ou ya sika même soki nanu bazu courage ko bimisa ngote to yeba komo na ngweza nini mais les financiers oh biso to yebi aza parmi ba financiers outre l'Union européenne il y a la Muka oh bazaki na mission ko diviser biso mo Ibrahim ba utaki déjà ko kutana na Katumbi ce qu'il faut savoir c'est que les caisses sont désormais pleines ceux qui ont besoin d'être corrompus de vendre leur conscience qu'ils sachent que l'argent est là Moïse Katumbi est arrivé à Kinshasa motif l'organisation de la marche bazali ko se préparer pour la marche na bango oyo babongisi le 14 avec point à l'ordre du jour ambiguïté totale makambo bango bazali ko revendiquer bayebi bango moko malamu ke si c'est pour ça nde bango bazali ko marcher pour na cadre makambo etali élection il n'y a pas de retour ezali peine perdue ils prennent quand même le temps de le faire parce que bayebi ke politiquement ceux qui va saler ango bakozo arrière te Martin Fayulu, Delice Sanga na Matata Ponyo balongwaki na Kinshasa bakoki rejoindre Moïse Katumbi na Katanga. Logiquement, quand on voit que les sièges des institutions centrales ya makamunyo sesika siège ba parti politique ezana Kinshasa. Quand on voit des gens quitter Kinshasa pour aller rejoindre celui qui est à l'intérieur, on sous-entend que c'est lui le boss. C'est-à-dire, ndenge na ebite culture o eza ko koma mikolo na ba parti politique o tozomona awa. Président ya parti politique bazobenga e boss. Azo sala vidéo partisan parti politique aza ko kita alobi je suis avec le boss. C'est que ba président ya ba parti politique ba komi ba boss, c'est que ba patron ya ba entreprise. Logiquement c'est ça parce que tokomi ko yoka ba boss. Kabila Joseph batu baza ko entourer bazobenga ye le boss. Batoyo baza ko entourer Katumbi les jeunes bazobenga ye le boss, le patron. C'est-à-dire, c'est lui qui paye. La logique n'est pas du parti politique n'est pas là avec un président, il y a parti politique baza ko benga boss. Aza lokola la businessman, patron ou aza ko futa bato. Alors que le président de la, du parti politique est tout autre chose. Je reviens. Nakatanga tomoni sesanga tomoni Fayulu tout moni matata ponyo bakeyi ko sala l'allégeance na patron na bango logiquement aimant o attiré bango eza ya Katumbi na sina lobaki muto aza na monopole aza na makasi ya ko mobiliser ba fonds soit ya poche na ye soit ya ba partenaire désormais c'est lui Katumbi nde muto aza lokola symbole na bango on retrouve derrière Katumbi même des anciens kabilistes qui n'ont pas trouvé leur place na union sacrée bango pe bazali ko soutenir d'une manière Katumbi parce que
position ya Kabila basi ba ye bien Kabila a fini par comprendre que et logo ebomisaka pharaon na mer rouge ezalaki idée ya kolinga kolanda Israël kina landa bango lisuna ya kozongisa bango na bowumbu mer rouge ya mbaka yena bato bande ko kende na bango. On pense que le silence de Kabila ezali pe abri ya munene et permettre ye que a éviter ba problème lokola yebi na ye ki en tout cas bato ebele balukela nga makambo c'est mieux na tikala nga silencieux et ko ko aider nga ina s'en sortir. Olive Lemba zo cha makelele il est entouré de jeunes gens azako mi mabango Dubaï ya mi mabango Éphèse. On sait que tout ce qu'il fait c'est du bruit parce que Kabila sait que si aujourd'hui a continuer qu'on s'obstiner pour vouloir revenir à la tête du Congo avec des débats qui ne peuvent pas avoir lieu, la porte de la prison sera plus rapide. Et mon conseil tout peut ça qui est tout moni ayo qui a zongina nous simamuke. Mais ban tête mais ça va continuer. L'opposition congolaise s'est réunie aujourd'hui bazana Kinshasa. Balobi ndenge bazana Kinshasa bazako préparer marche. On sait que l'argent circule ministère intérieur. Parce que nasuka nango ezalaka to moni ba machette et tamboli to moni air yango ebofungula kamisu. Toyoki boye, toyoki balobi, eh yayi ceci, eh mort d'homme. Ngonga yango yo, il faut veiller. Ils sont congolais, ils sont dans les droits de manifester pour na la kisa opinion na bango. Mais toyebi ba dessin na bango mitema na bango eza mwindu par rapport ya politique ya République démocratique du Congo. Ce qu'ils ne peuvent pas obtenir à terme de mobilisation, ils peuvent créer makambu ya mabe na kati ya ba congolais pour que ba trouver ba argument au bango et aider bango. Comprenons chers frères congolais que ba sangani ba ko sangana lususu wapi na hôtel Katumbi toujours au centre. Soko bino bozo boya bolobino te kende ko sangana te pour mettre Katumbi. Katumbi ne peut pas être devant. Mais ye wana za ko continuer ko attirer bino. Tant que vous avez un bon mot, il faut reconnaître que Yende Moutouaza patron, c'est lui qui vous paye. Donc, plateforme Oyo et lobby Mouzitu, ils ont la crédibilité. Ce sont des gens passés dans Bango Boyebi, ils ont douteux. Il n'y a pas d'avenir dans ça. Mais Baza a insisté, Mingi na Likambuya marche. Ah, Abiso to lobby. Boyebi suite, il y a Makamba marche. Bango Baza a se préparé. Comment? Service à renseignement, comment ça se prépare? Nous l'avons dit. Le reste des jours, il y a parce qu'opposition a été prêté à une élection. CNIP a lancé un message à lobby. Bao baza ko luka audit. Biso CNI to ko CDT na makelele ya bato. Biso to ko sala pour na pression à bato te bango bazo ko continuer ko sala musala na bango ndenge esengeli basala yango. Audit externe oyo et comme le rôle la résistance ya opposition ezali kuluka silina kati ya mutu ya mutu alibanzi ta ya ko reguler za te toko sutuka kaka bomoni na fin de l'année toke élection contestation ebandi. Cela n'évitera pas aussi le Congo d'avancer parce que comme le rôle la culture ezana mutu ya bato. L'opposition congolaise pour terminer a peur des élections bango moko basi ba yebi ke Tshisekedi réélection est allée incontestable. Mais il faut trouver un moyen par lequel Tokoki peut se retrouver dans l'assiette de l'État. Et pas le pays, Tokoki peut trouver un engagement à Tshisekedi à l'amiable. Dans le bas, il y a aussi un communiqué à IGF concernant les Kasaï oriental. IGF Azali ko répondre na Kasai Oriental. Azali ko répondre na bato bazali ko lobela ki acharnement ezali. Ndenge bozomona communiqué wana inspection générale de la de finances. Titre balobi en tête balobi communiqué de presse. Y a-t-il eu abus de pouvoir dans les chefs de l'équipe de l'inspection générale des finances en mission d'encadrement au Kasaï oriental. Donc, IGF Atal ici, je saute pour vous parce que Zawana, Bozomonango, Ezanango Pena, les réseaux sociaux, j'ai lu les derniers paragraphes, Bazako Lobela Misolo.
Dans les cas particuliers de la province du Kasaï Oriental, l'équipe des inspections des finances vient de découvrir l'existence de deux comptes bancaires ouverts par la province, non déclarés par elle, alors que des transferts en provenance du pouvoir central y ont été logés, soit d'un montant de 1 milliard dans les comptes Solidarité Kasaï Oriental en décembre 2022 et un montant de 200 millions dans les comptes Agripel en avril 2023. De ces deux comptes de dépenses d'un total de 360 351 807 ont été effectués en dehors de tout plan de décaissement et sans demande de régularisation introduite par les autorités provinciales. Celles-ci se sont donc installées dans une posture de fraude visant à contourner les mesures d'encadrement mises en place. Comme il est demandé aux équipes des inspections des finances dans de pareilles circonstances, il revenait à celle en mission auprès de cette province de prendre des mesures conservatoires pour mettre un terme à cette fraude consciemment mise en place par les gouverneurs de la province. Si les dépenses effectuées à partir de ces deux comptes sont celles pour lesquelles le pouvoir central a transféré les fonds illogés, il n'y a aucune raison qui justifierait que la province tienne à exécuter ces dépenses en dehors des mécanismes d'encadrement mis en place. L'examen de ces dépenses camouflées est par conséquent en cours et les responsabilités en cas d'infractionnel seront établies. Infraction, c'est ce que je veux dire. C'est gouverneur, topé gouvernement, il y a Kasaï Oriental, Oyibite. Mais Mbongo est outil à pouvoir central. Oyo, Bazako rétrocédé Bino pour Bosala Makambo, Oyeza lié na attribution na Bino na pouvoir provincial. Topé na ba province na Bino. Ozu Mbongo, Bochango na kati ya deux comptes. IGF Azali na mécanisme Oyache mis en place pour nous permettre que contrôle et ça les magana ba province. Baye baka traçabilité ya mbongo au pouvoir central azotine de la kaba gouverneur ndenge nini bazali ko dépenser yango. Mais gouvernement ya province Kasaï Oriental bazu mbongo batiango na deux comptes. C'est déjà tentative ya fraude. Awa ije faza ko continue banquete ba yeba mbongo ngo bazako salela ngo ndenge nini parce que soki eza mbongo bino bozako salela ndenge pouvoir central atindeli bino qu'est-ce qui fait que boke ne ko bomba ngo na ba compte eza non déclaré. Ça montre qu'il y a le vol pour une province comme le Kasaï Oriental, meurtri, misérable, paupérisé, clochardisé. Aujourd'hui le Kasaï est vidé de tous ses opérateurs économiques. Ba Kasaï bazana force ya côté le misaba économie. Toutes les petites affaires ya Kasaï eza ko se retrouver ba kimi kimi na ba province voisine. Certaines provinces ba lingi présence wana te même si la force wana ezali ko aider na ba province wana. Mais comment se fait-il que ba gouverneur bozo ya kana Kasaï bozo ya ko bakisaka ba problème likolo ya ba problème eza na Kasaï? Semence oyo ya moyibi, semence oyo ya manque ya transparence, c'est aussi la ndenge nini. Basa la prière nationale pour na ko exorciser ba politiciens na molimo ya moyibi ou bien basa la ndenge nini. Franchement, chers frères Kasaïens, investissez chez vous, vous qui êtes en dehors du Kasaï, rentrez chez vous, venez investir, on vous envoie l'argent. Soyez clair, s'il y a une province qui doit être transparente dans la gestion, pour n'importe qui, sa chef de l'État soit unité. Eza Kasaï, espace grand Kasaï mobile. Et si Kawab, chef de l'État, a ressorti ça. Ça, c'est une honte. Kasaï banzele zate, Kasaï ma zate. Bazako bundana pour na kozongi sa makambuana. Il faut babilo ko eza na attribution na bino bosala yango. Comme ça, vous voyez, bisabato yo basali 30 ans na ba Canada na États-Unis, bolobi boya na Kasaï boya. C'est vous qui découragez. Ça montre que makamweza ka ndenge ezali. Ça fait très mal. Bato ba kouta musika bazana besoin ba ko investir na Kasaï, même au Kasaï kaka boye. Nyoka nyoka.
facilité batu bazako uta musika na moi savoir faire na bango na moi musolo na bango muke ba yenango makambo eza la claire takaboyi. Nous avons dit na boyi kokota muzindo abaya kolobananga o bolembongo po soki bazako bundisa kabe ya match abidi. Cher gouverneur ozana matoyi mibale match abidi matoyi mibale. Na yebite soki na zo se trompé. Me yango na mato yimibale. Eyokaka to eyokaka te. Pour une province comme la province de Kasai, sentence de mort ezali pona mutu oyo a ko détourner mbongo. Là déjà ça sent le détournement. Ça sent le détournement parce que mutu a une intention ya ko yibate, a ko ki jamais ko déplacer mbongo ko pesa ngo orientation mususu outre orientation et sa mise en place pour être contrôle et ça les makangonga nyonso bazana besoin ko sala yango to lobite ke boyibi to zo zela IGF boyo ba mbongo basi ba salelaki. Nous avons dit voilà, j'arrive à terme de cette émission. Nzambe sunga biso to bima na molimo ya moyibi. Cher pasteur, faites des séances de prière pour la nation, que Dieu nous débarrasse des démons de détournement, de vol, de denier public, du démon de la haine, de la division. Voilà des sujets de prière que vous pouvez ordonner dans vos églises. Ba sujet de prière, ezaka te ya mabala, ba ebazangi mabala, ba o visé ezobimate. Non et non. Visa tantôt ezobimayete parce qu'il ne comprend pas le langage de Dieu. Il est peut-être une fois bimaté le Kola Batumusus, lui doit prier pour la nation parce que sa place est au Congo. Cher pasteur, le vrai, parce que même Nakati Yamabe, Yamalamu Pebazala Akaka, tous allés qu'au Tchad pour déconsidérer ma pasteur Union Sauté, le vrai existe. Et on sait, Mite Manabango Moumoutoubaye bien, Mopenzambe Moukoye bien. Cher pasteur, aidez-nous à sensibiliser, à parler au peuple congolais. À prêcher aux Congolais l'amour, que les Congolais apprennent à aimer leur patrie, que les Congolais cessent de voler, que les Congolais quittent les antivaleurs, parce que ils ont normalement été proches dans Zambie, qui est Zamoyibi. Une église ne peut pas se construire avec l'argent volé, même si c'est là-bas Yeliyango. Ce n'est pas normal. Ata Yeliyombo, on a soka tiens qui tunga problème exacte. Teya batika Moyibi. Na komi na souk émission na ngai na remercier de kombi ya chako azaki na sima caméra ou pour cette émission oyé komela bino matondo mingi na ba éclairer nyonso mokili mobimba bolandaki émission oyé pe boza ebele bo continuer kotine la biso ba commentaire ba suggestion na bino bomoko eza très capital bolingo ezali pe très capital na pesi bino bon weekend esika nyonso bozwa mi bon weekend na apôtre Gérard Kabeya bon weekend na Jean-Louis Timbalanga, l'homme de la vérité des urnes. On attend le deuxième volume, le troisième volume du livre La vérité de la vérité des urnes. Et merci aussi à monsieur le maire adjoint en France, Boniface Mpunga. Merci à maman Lisette Mungendou, à maman Bill Bilonda. Merci à toutes les mamans qui aiment l'émission Debout Congolais, Boza Ebele Bolinga Kasamba Olonga. Vraiment, on peut vous soutenir.